أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا وقال إنني من المسلمين. La grande mosquée Islah du sud de la France, en collaboration avec l'Institut méditerranéen d'études musulmanes, vous propose une formation sur le fiqh et son évolution, dispensée par Cheikh Dr Mustafa Brahami, professeur conférencier, et ce, le samedi 21 février 2015. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Barakallahu fikum, j'ai'tum lil hudur. Inch'Allah, Rabbi, y'allimna. أولا نتفاهموا على الموضوع. الموضوع اللي تفهمنا عليه سي أحمد تاريخ التشريع هكذا عربي فرنسي فرنسي بلوتو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. دونك c'est à moi de vous remercier d'être venu. Vous avez laissé tomber beaucoup de choses ce samedi pour venir, inchallah, j'espère, apprendre des choses. Ça, c'est mon vœu. Et dans tous les cas, inchallah, nous serons parmi ceux que Dieu a dit que les anges les envelopperont, ceux-là qui viennent au moins mentionner Dieu subhanahu wa ta'ala, évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala. On a discuté avec le frère Ahmed hein, sur les sujets sur lesquels on pourrait parler. J'ai choisi ce sujet-là avec une deuxième étape pour après. Donc c'est l'évolution historique du fiqh. Pourquoi, après, je vous laisserai le PDF sans problème, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent le PDF, ils peuvent le récupérer en CSD, Inch'Allah. Pourquoi le choix de parler de l'évolution historique du fiqh ou du tchéré, de la législation du droit musulman? Pourquoi? Est-ce que c'est une pure culture? C'est possible. On peut s'intéresser à notre histoire. Oui, on s'intéresse à notre histoire parce que nous ne sommes pas nés hier. On n'est pas nés en 1789. On est nés il y a très longtemps. Mais il y a aussi un autre objectif. Pourquoi parler de ça? Parce que le fiqh représente l'État. C'est un indicateur de l'état d'une société. Si c'est une société qui est en pleine civilisation, le fiqh, on produit le fiqh. Les savants ne s'arrêtent pas. Si on est une communauté arrêtée dans l'histoire, le fiqh, il s'arrête. Donc le fiqh, c'est un indicateur fondamental de l'état d'une communauté, d'une société, d'une culture pour nous, musulmans qui vivons ici en Europe, de notre culture. C'est vraiment un indicateur fondamental et on le verra. Donc ça, c'est vraiment l'objectif fondamental. Le deuxième objectif, c'est que, pour moi, pour parler de cela, c'est essayer de voir pourquoi justement on est aussi arrivé à ce point-là? Bien sûr, tous, nous vivons cette tempête depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Hein, cette tempête,
Alhamdulillah, qui a produit beaucoup d'effets négatifs et qui produit encore, mais aussi, Inch'Allah, malgré tout, parce qu'il y a Dieu, فوق العباد, parce qu'il y a Dieu au-dessus des êtres. Hein? Inch'Allah, nous espérons qu'il y aura aussi des effets positifs de cette tempête. Et donc, face à cette tempête, et il y a des éléments de cette tempête que nous devons vraiment absolument bien saisir. On ne peut saisir, on ne peut comprendre ça qu'avec la connaissance, qu'avec la science. On ne peut pas s'engager dans un processus de changement, d'évolution de la communauté musulmane sans qu'il y ait de notre part une connaissance, de la connaissance. On ne peut pas s'engager. Parce que lorsque l'on s'engage sans connaissance, eh bien, il se produit des problèmes immenses. Les problèmes, si c'est relatif au fiqh, bon, Dieu pardonne. C'est-à-dire que si tu te trompes dans ta prière, dans ton hajj, zakat, Dieu pardonne. Si tu te trompes dans l'aspect aqidah, c'est un peu plus difficile. Il faut au moins rester dans la grande plage. Mais le problème, c'est que si on se trompe au niveau si on se trompe sur nos actions face au sang, c'est comme ça que les savants l'appellent, c'est-à-dire face à la vie des gens, face à leur bien, à leur patrimoine, ça pose problème. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention dans notre compréhension de l'islam. Donc mon objectif, ce n'est pas de parler de l'histoire comme ça, mais vraiment essayer de donner des clés de compréhension. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est engagés tous dans un processus de changement. Inch'Allah, le changement vers le bien, Inch'Allah, le changement vers le meilleur. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, le fiqh, c'est vraiment... Le droit, c'est le droit, ce n'est pas la jurisprudence. Le mot jurisprudence, auparavant, ça avait un peu le sens de droit, de législation. Non, le fiqh, ça n'est plus la jurisprudence, c'est le droit. Parce que la jurisprudence, maintenant, elle a une autre définition. Le fiqh, c'est vraiment ce qui représente, comme je vous ai dit, c'est un indicateur de l'état de la société. Si vous voulez voir... Cette période-là, Nabi Ali, salatu salam, le Khulafa al-Rashidun, Tabi'un, toute cette période, le nombre de savants, ça je n'ai mis que certains savants. Le nombre de savants est extraordinaire. Umbad, ça diminue. Il reste quelques-uns, Bil-Khildun, Soyote, Asqalani, quelques-uns, très peu. Voilà le fiqh qui est en relation avec l'état d'une communauté. L'état d'une communauté. Alors, on va reprendre dès le début. Donc, un, c'est un indicateur. La deuxième chose qui est fondamentale, qu'il faut bien comprendre, c'est que le fiqh, c'est une production historique. C'est-à-dire, c'est une production humaine. Lorsqu'on dit production historique, production humaine, ça veut dire qu'elle est faillible. Elle est faillible parce qu'il n'y a d'infaillible que Dieu et son prophète Mohammed. Il n'y a pas d'autre. Même les compagnons ne sont pas infaillibles. Même si pour nous, c'est une source, les compagnons. Hein? Il leur suffit que Dieu les ait mentionnés dans le Coran. Il leur suffit cela comme un signe honneur, mais encore plus que cela. Et donc, mais c'est un produit historique. Qu'est-ce que ça veut dire produit historique? Ça veut dire que le fiqh, c'est pas l'islam. Parce que si le fiqh était l'islam, eh bien on se serait arrêté avec Abu Hanifa.
on se serait arrêté avec, allez, Abu Hanifa en Irak, l'imam Malik Hijaz au Maghreb, puisqu'un peu, nous sommes tous ici maghrébins, et puis c'est bon. Mais non, Abu Hanifa, il a eu des disciples qui n'ont pas été d'accord avec lui sur beaucoup de choses. L'imam Malik, sur beaucoup de choses, ses disciples n'ont pas été d'accord avec lui. Et l'un de ses grands disciples, l'imam Shafi'i, ne va pas être d'accord avec lui, il va fonder une autre école. Voilà ce que ça veut dire, c'est un produit historique. C'est-à-dire que c'est un ijtihad. Hein? C'est un ijtihad. C'est tout. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le fiqh, on va le regarder avec suspicion. Ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'en fait, dans le fiqh, il y a des éléments invariants qui ne changent pas dans le temps. Si quelqu'un s'attaque à ces éléments, eh ben, ça pose problème pour lui. C'est quoi les invariants? Salat, l'obligation de la prière, l'obligation du jeûne, etc. Salat al-dhuhr, 4 rak'at, salat al-jumu'a, rak'atayn. D'accord? Salat al-jumu'a, al-khutba, avant. Salat al-eid, al-khutba, après. Ça, ce sont des invariants qui ne changent pas dans le temps. Donc, il y a tout un aspect. Il y a un aspect dans le fiqh, dans lequel l'ijtihad, il est mineur. Il n'est pas très grand. Mais l'ijtihad, il va être beaucoup plus grand sur les autres aspects du fiqh. Donc, il y a des éléments invariants et il y a des éléments qui varient, c'est normal, dans beaucoup de choses. Hein? Tawaf, l'imam Malik et d'autres disent qu'il faut l'wudu pour faire le tawaf. C'est une condition. Et que si tu perds le wudu en cours de tawaf, tu dois refaire le tawaf. Abu Hanifa dit non, c'est une recommandation. Ibn Taymiyyah aussi il dit non, c'est une recommandation, tout comme Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc vous voyez, voilà les deux éléments fondamentaux. Il faut aussi distinguer entre fiqh et sharia. Sharia, c'est les principes élaborés dans le Coran et le Sunna, particulier, mais c'est les principes. Ou le fiqh, c'est les applications pratiques du sharia. Sharia, elle est invariante. Elle reste. C'est dans son aspect pratique qu'il peut y avoir certaines applications qui vont varier dans le temps. Par exemple, min sharia zakat. C'est un invariant jusqu'à la fin des temps. Maintenant, zakat, même dans les pays musulmans, ce n'est plus l'État qui s'occupe de zakat. C'est des individus, c'est des associations. Donc maintenant, on peut donner à des associations qui s'occupent de zakat. Ça n'existait pas auparavant. Et ainsi de suite, un certain nombre de choses. Donc, sharia, c'est vraiment les principes intangibles, les principes qui restent par-delà le temps. Et le fiqh, certains de ces éléments vont changer, d'autres ne vont pas changer, c'est des invariants. Dans le fiqh, sharia, il y a l'aspect du credo, l'iman, l'aspect de la pratique, l'islam, l'aspect de l'éthique, l'khuluq. Dans le fiqh, il n'y a pas l'aqida, il n'y a pas d'aqida, il n'y a pas de khuluq. Il n'y a que l'aspect islam dans le sens du hadith. Hein? « Ou mal islam qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa an tuqim as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasum ramadan wa tahujj al-bayt. » Sharia, elle est issue directement, bien sûr, mais le Coran et Sunna, et donc il va y avoir différents aspects de sharia. Le fiqh, c'est un aspect de sharia. On a souvent sharia pour nous, c'est quoi sharia? Couper la main au voleur. Sharia, c'est interdire riba. C'est plus que cela, sharia. Sharia, c'est plus que cela. Ça, ce sont des éléments, un parmi mille.
un parmi mille. Sharia, c'est beaucoup plus vaste que cela. Donc, on ne va pas définir Sharia par le fait de couper la main. Non, Sharia, c'est pas ça. Sharia, c'est plus que cela. Sharia, c'est que avant de couper la main, il faut d'abord établir la justice sociale. C'est ça ce qu'a fait Omar radiallahu anhu. Lors de l'année de la disette de la famine, il n'a pas coupé les mains, Omar radiallahu anhu. Pas du tout. Nabi alayhi salatu salam, lorsque la personne est venue lui confesser qu'elle a commis l'adultère, il n'a pas appliqué la peine sur le champ. Peut-être que tu étais ivre, peut-être que tu t'es trompé, peut-être, peut-être, peut-être. Donc, Sharia, c'est toute une culture. Ce n'est pas un élément, riba, et puis c'est tout. Parce qu'on tente, soit dans notre compréhension, soit même les États dits islamiques, ça c'est une autre histoire, hein, l'Arabie Saoudite ou les autres, hein, on tente de nous fourvoyer, hein, dans, oui, Sharia, c'est Reda. Reda, bayn al-ba'i' ou al-mushtari. Il faut juste l'accord entre le vendeur et l'acheteur. Non, il ne faut pas que cet accord-là. Il faut des conditions sociales, des conditions culturelles. Hein? Tu fais travailler une personne 16 heures par jour, tu me dis, ça c'est Sharia, ça. Ça c'est Sharia. Tu fais travailler une personne 16 heures par jour et tu lui donnes même pas le fruit de son labeur. Ça c'est Sharia. Donc, faites très attention à cette notion de Sharia. Sharia, ça n'est pas un élément. C'est l'ensemble, c'est un édifice. Globalement, on distingue 6 périodes ou 5 périodes ou 7, c'est pas très important. Mais il y a la première période, c'est le Nabi alayhi salatu salam, le Wahi. La deuxième période, c'est le Khulafa al-Rashidun. Troisième période, c'est juste ce qui vient après, Tabi'un et leurs disciples. Quatrième période, on peut inclure cela ensemble même, ce n'est pas un problème. Peu importe le nombre de périodes, il faut comprendre la chose. Donc cela va pratiquement va aller ensemble, puisque les imams fondateurs, Abu Hanifa et Malik, sont aussi des successeurs, c'est les successeurs des successeurs. Et ensuite, consolidation, un reflux et début de la stagnation, c'est le taqlid et la régression. C'est la phase dans laquelle nous sommes depuis 2 siècles ou 3 siècles. Hein? Une phase de nahda. Donc globalement, voilà. Donc Nabi alayhi salatu salam, pour ne pas prendre trop de temps, la première période, c'est la période prophétique, c'est le wahy. C'est le wahy qui fait que il y a du fiqh. C'est Dieu qui décide. C'est le prophète alayhi salatu salam qui décide. Après cette période, c'est la période des Khulafa al-Rashidun, qui pour nous, c'est une période dans laquelle on doit vraiment s'intéresser de très près. Il ne s'agit pas de recopier cette période-là, non. Il s'agit de prendre les aspects de principe. Tout comme en France, lorsqu'on parle de Montesquieu, oui, Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, etc. Oui, c'est la séparation des pouvoirs, mais on ne vous dit pas que Montesquieu était esclavagiste. Hein, on ne vous a pas dit que Jules Ferry était aussi, pas esclavagiste, mais presque. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de recopier, mais il s'agit de prendre les grands principes, comment ont gouverné Abu Bakr, Omar, Ali, Othman. Et par exemple, regardez un point dans lequel on va revenir, inchallah, après, j'espère. Abu Bakr, il a été choisi par un groupe de musulmans qui l'ont proposé aux autres et qui a été accepté. Abu Bakr meurt, Omar va devenir. Mais comment il devient? C'est Abu Bakr qui va leur dire, parce qu'ils sont venus à lui, les compagnons, ils lui ont dit,
qu'est-ce que tu nous proposes ? Il leur a dit, c'est votre avis. Mais si vous voulez mon avis, moi je vous proposerai bien Omar. On appelle ça le wasiya. Et donc Omar a été choisi sur la proposition d'Abou Bakr. Donc ça n'est pas comme Abou Bakr a été élu. Omar assassiné, il a le temps d'installer une commission de 7 personnes. Les 7 personnes vont choisir Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Donc, troisième méthode de choix du khalifa. Quatrième, Uthman meurt, les savants vont se réunir, les compagnons vont se réunir et ils vont choisir Ali radiallahu anhu. 4 méthodes différentes de choix du gouvernant musulman. 4 méthodes. Première question qu'on doit se poser, est-ce que ces méthodes, est-ce qu'on ne peut pas inventer une 5e méthode? Est-ce qu'on ne peut pas? Parce qu'ici, c'est des compagnons. D'abord, le choix, la diversité du choix, comment ils ont choisi, le fait que les choix ont été différents à chaque fois, ça prouve quoi? Ben, ça prouve que cela provient d'un ijtihad de la part des compagnons. Donc c'est un ijtihad. Est-ce que nous sommes dans l'obligation de choisir l'ijtihad d'un compagnon? Jusqu'où? On voit que personne, les compagnons, ne s'imposaient pas de suivre la même chose entre eux. Un compagnon ne disait pas à un autre, pourquoi tu diverges d'avec moi? En ce qui concerne le fiqh, bien sûr. D'accord? Ensuite, bon, allez, l'wasiya. Mais l'wasiya, ensuite, après, Abou Bakr n'a pas proposé son fils, ni son frère. Il a proposé Omar, qui est musulman, bien sûr, mais qui est un étranger à sa famille. Donc, comment et pourquoi les savants disent, oui, c'est valable que le roi, d'abord le roi, ça n'était pas des rois ici. C'est pas des rois. C'est des gouvernants. Donc, le mot change, glissement sémantique, la méthode change, oui, j'ai le droit de choisir mon fils. Pourquoi ton fils? Parce que Muawiya, lorsqu'il va vouloir imposer son fils Yazid, Hussein, alayhi salam, il dit, mais non. Ils lui ont dit, pourquoi tu as choisi ton fils? Il leur a dit, Abou Bakr a bien choisi Omar. Ben, ils lui ont dit, mais Omar, ce n'est pas son fils, ce n'est pas son frère, ce n'est pas la même famille. Ne nous trompons pas. Donc vous voyez, l'aspect historique, comment pour nous, il est très important à comprendre. Donc il ne s'agit pas de recopier cette période dans ses détails, mais de s'inspirer des grands principes. Abou Bakr n'a pas vécu beaucoup, 2 ans et demi, presque 3 ans. Mais Omar, c'est lui qui va donner les grandes institutions à l'État islamique, à la culture musulmane, à la société musulmane. À partir de quoi il va donner ces institutions? À partir d'un concept fondamental qu'on appelle maslaha, le bien public. Et parce que l'imam Malik va vivre à Médine, qu'il va prendre l'esprit de cette maslaha, ça a été le premier d'abord, d'ailleurs. Et il va l'inclure comme source de législation, en plus du Coran et de la Sunna. Alèche, pourquoi? Parce que l'imam Malik a vécu à Médine, l'un de ses cheikhs, Nafi, il était le disciple de Abdullah ibn Omar. Et donc, le legs de Omar va passer à l'imam Malik radiallahu anhu. On verra ça peut-être après, Inch'Allah. Troisième période, c'est vraiment les grands imams. Hein? Alors, on connaît 4, il n'y en a pas 4. Il y a 10 ou 12 imams. Il en est resté 6. Globalement 6, mais ce n'est pas exactement ça. J'ai oublié d'apporter des livres avec moi. Donc tout ça, c'est dans un livre que j'ai fait, les 6 imams. Mais il y en a beaucoup plus, hein, que ces imams-là.
Parce qu'avec Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, que nous connaissons, il y a aussi Zayd, l'imam Zayd. Ces derniers temps, vous entendez parler du Yémen. Les Houthis, c'est l'une des branches du zaydisme. L'imam Zayd n'est pas chiite. Les Houthis sont chiites. L'imam Zayd n'est pas chiite. L'imam Zayd est considéré comme Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Mais son école s'est ensuite subdivisée après lui en plusieurs sous-écoles. Il y a des sous-écoles proches de nous, comme le fameux da'i scientifique du Yémen, Zindani. Donc c'est un Zaydi, mais sunni. Et puis il y a les autres Zaydis, comme les Houthis dont vous entendez parler, c'est des chiites. Il y a Ja'far, Sadaq. Hein? Pratiquement, il n'a pas laissé d'école, même si les chiites d'Iran disent qu'ils suivent Ja'far. Zaydiya. C'est pas Zaydiya Shi'iya. نعم نعم هو معروف هو الى يومنا هذا من اهل السنه والجماعه دونك يعني il y a une sous-école zaydite qui a pris d'ailleurs beaucoup de l'école hanafite d'accord et puis il y a d'autres sous-écoles zaydites qui sont parties plutôt vers chiite d'accord Ja'far Sadaq c'est l'un des très grands savants mais à cause des luttes politiques son legs n'est pas resté comme il faut. Ce qui fait Ja'far Sadaq, c'est les chiites d'Iran disent que leur école, c'est Ja'far Sadaq. Ja'fariya, il s'appelle Ja'fariya. Ce qui est faux. Parce qu'en fait, Ja'far Sadaq, ils vont mentir sur lui, notamment les chiites. Ils vont lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites. Il y a Layth, qui était en Égypte, aussi savant que l'imam Malik. Il y a l'Auza'i, au Liban. Il y a encore d'autres, mais simplement les autres écoles n'ont pas eu suffisamment de disciples pour les fertiliser. Et elles sont mortes dans le temps. Donc, les grands imams, leurs grands disciples, d'accord, le grand disciple, il y a aussi d'autres, Tabari, leurs grands disciples. Ensuite, après ça, vont venir, il y a toute une période qui va venir, les écoles vont se consolider. Sont consolidées comment ? Avec, je reviens avec des productions intellectuelles. Parce que c'est ça la civilisation. La civilisation, la culture, ce n'est pas shteh wurdeh. La culture, c'est d'abord la production intellectuelle. C'est la production des biens matériels. C'est ça la civilisation. Lorsque vous voyez des gens, lorsque vous voyez une communauté qui ne lit pas, qui lit très peu, qui ne produit pas ou qui produit très peu, c'est une communauté malade. Ensuite, après, ça c'est la consolidation, c'est les grands savants, hein? Ibn Hazm, al-Baji, al-Maliki, al-Juwayni, al-Shafi'i, l'imam Ghazali, Al-Qadi ibn Arabi, ibn Rushd, ibn Qudama, Nawawi. Mais ensuite, cette période-là, c'est le début de la stagnation. La stagnation intellectuelle va provoquer le problème politique. C'est clair. Ou l'inverse, parce que les deux sont liés. Les deux sont liés, politique, culture, civilisation, tout est lié. Ici, la faiblesse est tellement là, alors bien sûr c'est le début des croisades, hein? C'est les croisades, parce que les musulmans vont s'affaiblir de plus en plus, jusqu'à ce que les croisés viennent en Terre Sainte, c'est-à-dire en Palestine. Donc la faiblesse commence et elle finit. C'est quoi? C'est 1258, c'est Bagdad qui tombe comme rien du tout. Sous les mains des Tatars. Rien du tout. Mais en même temps, c'est la fin des Mouahidines en Andalousie, dans la péninsule ibérique. C'est quoi la fin des Mouahidines? Dawlat al-Mouahidine qui a pu repousser
les croisés jusqu'aux frontières nord de l'Espagne, c'est fini, les musulmans n'ont plus cette force intérieure. Et chacun va se disputer pour un petit émirat, hein, Tawaif. D'ailleurs, dans la langue française, surtout en Espagne, on parle ça, c'est la période de Taïfa, c'est Tawaif. Chaque petit prince, il a son petit village, sa petite ville. Et il va se mettre d'accord avec les koufars pour faire tomber son frère à côté. Et il n'y a que Grenade qui va rester, mais Grenade, une petite région de Grenade. Donc vous voyez, Sharq, Gharb, Est, Ouest, c'est le début de la déchéance. Et là, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est là où il va vivre, hein, Ibn al-Qayyim, il va avoir une vision, peut-être qu'on arrivera, Inch'Allah, il va donner un état, il va illustrer l'état de la Ummah. C'est là, pratiquement, c'est dans cette période-là que le concept de Salafia va exister. Parce que Salafia, on va expliquer, ça n'est pas la Salafia dont on entend parler maintenant. Salafia, dans le sens originel du terme, c'est autre chose. C'est, on va le voir, c'est le retour aux origines. Donc, ça c'est les derniers grands savants, Ibn Taymiyyah, Zahabi, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, Shatibi. Mais ensuite, il ne va plus y avoir de grands savants. Il va y avoir des savants qui vont produire quelques œuvres, mais c'est la quantité qui est importante. Alors, alhamdoulilah, ici, il y a quand même, parce qu'il y a Dieu, hein, parce qu'il y a Dieu, les humains peuvent faire leur calcul, mais le calcul de Dieu est différent. Inch'Allah, Rabbi, ista'amna li dinihi. Ici, dans ce même temps, eh bien, c'est les Turcs qui vont venir. Ce n'est pas les Turcs. C'est les Ottomans, les Osmaniens. Parce que les Turcs sont présents avant ça. Ils sont présents, les Turcs, dès la fin des Omeyyades, les Turcs sont là. Parce que lorsqu'on parle de Turcs, ce n'est pas la Turquie actuelle, c'est les peuples turcs, Turkménistan, tous les autres peuples turcs. Donc c'est pour ça qu'actuellement Erdogan, lorsqu'il parle, il ne parle pas que de Turquie. Il prend la défense de tous les Turcs, de tous les autres peuples turcs. D'accord, de tous les autres peuples. Donc les Turcs étaient déjà présents avec Salajika. Mais là, c'est fini les Abbasides. Et c'est environ 2 siècles après, c'est les Turcs ottomans qui vont diriger le monde musulman. Pour vous dire l'importance de ce que je suis en train de vous parler ici, lorsque les Abbasides sont finis, alors il reste la Syrie, lorsqu'on parle Chem, c'est Syrie, Palestine et l'Égypte. D'accord ? Et l'Égypte. Pour les musulmans, c'est d'abord un coup de massue. C'est quoi ? Khilafa, elle est partie. Il n'y a plus de Khilafa. Khilafa, c'était un symbole. Même si il y avait des pouvoirs régionaux, l'extrême ouest, Maroc, Maghreb, Mashreq, Afrique noire, un peu partout, c'était des pouvoirs régionaux, mais qui, au moins formellement, appartenait à l'unité islamique, le Khilaf al-Islamiyya. Le Khilaf, elle part. C'est fini. Ici, il n'y a plus de Khalifa. Il n'y a que des pouvoirs régionaux. Alors, problème, comment faire revivre le Khilaf pour voir l'état de l'esprit, de la culture ici? Je ne parle pas de Ibn Taymiyyah, mais je parle de la mentalité générale. Il n'y a que certains qui arrivent en Égypte,
certains arrivent en Égypte et ils disent, voilà, cet enfant-là, c'est l'héritier des Abbassides. Alors on lui pose des questions, ton père, ton grand-père, où as-tu vécu, pour vérifier est-ce que c'est un Abbasside ou pas, Abbassi ou pas, et s'il est Abbasside, eh bien on va lui faire allégeance. C'est ça le pouvoir islamique? C'est ça la culture islamique, on fait allégeance, un enfant. Pourquoi? Parce que c'est un Abbasside? C'est ça la culture islamique, c'est ça, on va choisir un bébé, un enfant qui va nous gouverner. Eh bien oui, c'est ça la culture islamique à ce moment-là. C'est ça le déclin. L'inhétat, c'est ça l'inhétat. C'est pas autre chose l'inhétat. Attention, cet inhétat, des savants aussi vont participer à cet inhétat. Je ne dirai pas le nom de certains, parce que vous risquerez d'être malmenés un peu. Des savants vont participer à cette mascarade. On va vérifier si cet enfant-là est un Abbas. Parce que on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la capacité intellectuelle de choisir l'un d'entre nous qui nous guide. On ne peut pas. Il faut que ce soit un enfant de Abbasid. À partir de quel verset, à partir de quel hadith? Voilà l'état de décrépitude dans lequel nous sommes arrivés. Alhamdoulilah, les Ottomans turcs vont reprendre le flambeau. S'il n'y avait pas les Ottomans, on serait mort en 1200, en 1300, en 1400. On serait mort, ça y est, c'est fini. C'est pour ça que la Turquie, il faut aller visiter la Turquie, Istanbul principalement, et vous allez voir notre profondeur historique. Et vous allez voir ce que nous devons aux Turcs. Wallahi al-Adim, vous verrez ce que nous devons aux Turcs. Parce que s'il n'y avait pas ces Turcs-là, et bien c'est fini. Et donc ils vont encore perpétuer pendant 6 siècles jusqu'à la fin du Khilafat. Et ici, voilà, commence un peu avant. Donc Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Kathir vont appeler, ils ne vont pas appeler ça Nahda, ils vont appeler ça Tijdid. Mais le mot Nahda va venir après. Avec Cheikh Waliyullah Dahlawi min Delhi, un Indien, avec Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab qui va fonder l'Arabie Saoudite actuelle, avec Cheikh Shawkani, un Zaydite, mais qui va ensuite devenir un grand mujtahid qui a laissé, yéménite, qui a laissé beaucoup, beaucoup de livres. Puis avec les autres penseurs, etc. On peut être d'accord ou pas avec certains aspects de ces penseurs, de ces savants, peut-être. Mais le fait est là, c'est qu'ils vont participer à cette Nahda qui n'en finit pas d'accoucher. Le plus important, maintenant, on va donner les grandes lignes. On a dit, la période prophétique, c'est le prophète Ali, c'est Dieu et le prophète qui vont légiférer pour le faire. D'accord? Mais on peut se poser une question. On peut se poser une question. Est-ce que le Nabi alayhi salam, est-ce qu'il faisait de l'ijtihad? Certains savants disent non. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mais d'autres savants disent non. C'est vrai. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ, dans ce qu'il transmettait de la part du prophète alayhi salam, mais il faisait aussi un ijtihad. Du coup, il faut comprendre. Il faut comprendre le hadith. On va revenir à une autre figure et on reprend celle-là. Et là, le hadith, vous savez, le hadith, فعل النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وصفه وتقريراته. C'est le geste prophétique, les paroles prophétiques, les descriptions que vont faire les compagnons et les approbations. Les approbations, c'est le prophète Ali, il voit quelque chose et il ne dit rien. La description, il a été demandé à Aïcha radiallahu anha que faisait le prophète Ali lorsqu'il était chez lui. Elle disait, il était au service de sa famille. Et du point de vue fiqh, voilà ce qui est important aussi pour nous.
Sallu kama ra'aytumuni usalli. Et donc les compagnons vont nous décrire comment le prophète accomplissait sa prière. Khudou anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Donc pour le Hajj, c'est de là qu'on va voir, les compagnons vont nous décrire comment qu'il a fait, les descriptions, les paroles. La darara wa la dirar. Et le geste prophétique, ce qu'a fait fi'lu Nabi alayhi salatu salam. Globalement, vous savez qu'en islam, toute chose va être catégorisée selon 5 éléments. C'est une obligation, une recommandation, une permission, une répréhension ou une interdiction. Il y en a 5. Wajib, mandoub, halal ou mubah, makruh ou haram. 5. Toute chose appartient à l'une de ces 5 catégories. Ok ? Taqrirat al-Nabi, elle veut dire, la conséquence méthodologique, c'est le halal, mubah. Le prophète, alayhi salatu salam, j'allais citer un exemple, mais je le cite. Parce que, lorsque l'archange Gabriel, alayhi salam, est venu au prophète, il lui a dit, après Ghazwat al-Ahzab, il lui a dit, si toi tu as déposé les armes, nous on n'a pas déposé les armes. Il faut aller combattre la tribu de Benu Qurayda. Et le prophète alayhi sallam va donner l'ordre que chacun d'entre vous ne fasse la prière de Salat al-Asr qu'arriver à Benu Qurayda. Et les compagnons, bon, Benu Qurayda, ce n'était pas très loin, 5 km, 6 km. Et ils vont partir. Certains ont compris de l'ordre prophétique qu'il faut faire vite. Et lorsque le temps du Asr est venu, ils se sont arrêtés, ils ont fait l'Asr et ils ont continué la route. D'autres ont compris à la lettre. Et Salat al-Asr, ils ne l'ont pas accompli à temps. Lorsqu'ils sont arrivés à Benu Qurayda, le Maghreb était déjà venu. Et donc ils ont fait Asr et Maghreb ensemble. Et ils sont allés voir le prophète alayhi salatu salam. Qui de nous deux a raison? Bon, le prophète alayhi sallam leur a donné raison aux deux. Mais il est évident que les premiers ont plus raison que les seconds. Voilà un exemple de taqrir al-Nabi, ce que le prophète voit et ne réagit pas. Parce qu'il ne peut pas se taire devant le haram. S'il y a un haram, s'il y a un mal, il doit intervenir. Donc s'il se tait, ça a valeur de permission. Les descriptions, les paroles, globalement, c'est l'une des 5 catégories. Le grand problème actuellement, le grand problème se situe ici. Il y a une partie ici et ici. Maintenant, il y a tout un business qui se développe en Arabie Saoudite. Je regrette, peut-être certains sont tombés dedans, mais il y a tout un business qui se développe, c'est le hijama. Le hijama, est-ce que c'est une sunna ou une permission? C'est devenu maintenant, depuis quelques années, c'est devenu une sunna. Mais le hijama. Oui. C'est-à-dire que si tu as besoin de faire une hijama, tu la fais. Si tu ne veux pas la faire, tu ne la fais pas. Mais non, c'est devenu une sunna, mais plus qu'une sunna. Maintenant, un image. Maintenant, il y a des dizaines de petites, entre guillemets, cliniques. C'est devenu un business. Tu vas à Omara, tu vas à Hadja, tu vas trouver les gens tamponnés ici et ici. Mais allez, si la personne est malade, mais c'est dans le fait de transférer un acte permis qui devient sunna, c'est cette mutation qui est dangereuse. Hajj, soudain. فائدة الإنسان دي مريض ما عليش صح ما هوش سنة هذا كلام برك صح ما عليش النبي عليه الصلاة يعني ربي سبحانه وتعالى ربي في القرآن
lorsqu'il parle du miel, fihi shifa unlinnas. Donc, a priori, avant de faire le hijama, je vais faire le miel, je vais prendre du miel et je vais voir. Mais lorsque Dieu parle du miel, c'est de l'ordre du permis. Lorsque le prophète fait le hijama, c'est de l'ordre du permis. C'est tout. Ça n'est pas... Maintenant, ça devient un business. Et maintenant, depuis 2 ans ou 3 ans, il y a un autre business qui se développe, toujours en Arabie Saoudite, mais il paraît même en Algérie, hein, en Tunisie, dans le sud. C'est... c'est le fait de boire un peu d'urine de chameau. Possible. Et justement, ce n'est pas le baraka. Lorsqu'on dit le baraka, c'est ça qui est dangereux. Si tu penses que s'il y a des vertus, et c'est parce qu'il y a des vertus que tu veux en boire, tu en bois. Et que ça ne devienne pas une sunna, maintenant ça devient une sunna. Pourquoi? Parce que le prophète l'a fait. Ça, c'est le cœur de notre sujet. Allez, je vais vous dire encore autre chose. Au temps du prophète, il n'y avait pas de toilettes. Pourquoi il n'y avait pas de toilettes chez soi? Parce que il n'y avait pas le réseau. Le réseau de la voirie. Et il n'y avait pas cette idée simple de quoi? Du siphon. Parce que c'est quoi le siphon? Le siphon, c'est... Voilà, si tu mets de l'eau, il bloque le retour des odeurs, tout simplement. Mais c'est une idée très simple. Mais ça demande du temps pour l'appliquer. Malik ben Abdullah Rahmo, il disait que nos grands-mères, pour faire... le balai, et toute leur vie, elles se sont échinées à faire ça. Oui, elles n'ont pas pensé à mettre tout simplement un bâton, et puis on va travailler debout, tout simplement. Pourquoi s'échiner à faire ça? Parfois, c'est des idées simples, mais il faut les créer. Voilà. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, il n'y avait pas les papiers de toilette là. Donc, le prophète alayhi salatu salam ou les autres, ils utilisaient quoi comme premier avant l'eau? Ils utilisaient des petites pierres pour enlever d'abord le gros de sel. Dans certaines régions, vous allez entrer dans les WC, vous allez trouver des monceaux de petites pierres. Pourquoi? Parce que le prophète l'a fait. Mais comment on va comprendre? C'est comme ça que l'on comprend le hadith Nabi alayhi salatu salam. Oui, oui. Si l'on veut, c'est terrible. Par conséquent, maintenant on s'entend bien, il faut bien comprendre. Parce que lorsqu'on revient aux savants, mais ça, il y a aussi beaucoup, il y a un certain nombre de savants qui vont dedans. Vous pouvez lire parfois. Moi, je l'ai lu de mes propres yeux. Le prophète Ali, lorsqu'il faisait ses prières, il les faisait avec ses sandales. Donc pour lui, sunna, vous pouvez faire votre prière avec vos sandales. Bien sûr, si vous êtes en voyage, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez à la mosquée, vous allez rentrer avec vos sandales pour faire la prière. Pour certains savants, oui, mais pour certains, ils sont très faibles. Donc ça, c'est vraiment les extrémistes. Les extrémistes, oui. Et, ça, et vous lirez ça sur, comment on l'appelle maintenant, Cheikh Google. Parce que Cheikh Google, il vous apporte toutes les fatwas que vous voulez. Toutes les fatwas que vous voulez. En conséquence, pour bien comprendre, le geste prophétique, il y a 3 types de gestes prophétiques. Il y a des gestes prophétiques qui sont spécifiques à lui. Personne ne peut les faire. Le fait de faire Sawm al-Wisal, c'est-à-dire jeûner jour et nuit. Le fait d'avoir épousé plus de 4 femmes. Ça, ce sont des éléments spécifiques qui ne sont pas nombreux, mais c'est des éléments spécifiques. Donc il y a interdiction de le suivre dans cette voie-là. Il y a des gestes prophétiques qui sont de l'ordre des coutumes arabes. Nabi alayhi salatu salam
a été invité pour manger. Et juste avant de manger, l'une de ses épouses dit à Lot, informez-le de ce que vous lui avez donné à manger. Et ils lui disent, voilà, au prophète, c'est un dobe. Un dobe, c'est un gros lézard. Et le prophète a dit, moi je ne mange pas, parce que Qaumi, c'est-à-dire ma tribu, ne l'aime pas. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est makruh? Haram? Non, c'est pas haram, c'est pas makruh. Ça, c'est de l'ordre de la coutume. D'ailleurs, le hadith, il ne s'arrête pas là. Il y avait avec lui Khalid ibn al-Walid qui dit, prophète, tu ne manges pas ça? Il lui dit non. Il lui dit, montre-moi, je vais te montrer comment on mange ça. Et il le mange. Donc ça, c'est de l'ordre de la tradition. Le fait que le prophète ait laissé ses cheveux jusqu'à le milieu du lobe des oreilles, c'est de la tradition des Arabes. Est-ce que c'est une sunna? Non, ce n'est pas une sunna du tout. C'est de l'ordre de la tradition des Arabes. Donc il y a des faits et gestes de la tradition des Arabes, le qamis, et il y a des faits et gestes qui sont de l'ordre de sa propre humanité. Lui individu, c'est un être humain. Dans cela, ça n'a aucune valeur juridique. La seule valeur juridique ici, c'est l'ibaha. On peut, si on veut porter les cheveux jusqu'ici, on peut. Ça n'est pas interdit. Mais ce n'est pas une sunna. Maintenant donc, mais une partie des faits et gestes va avoir liaison avec l'ahkam shar'iyya. Mais d'abord, et ça c'est un principe, vous allez le lire chez tous les savants, Ibn Uthaymin, Malik, même si je ne mélange pas ni les niveaux ni les périodes, mais je dis, c'est quoi? C'est que fi'l al-Nabi, la première conséquence du fi'l al-Nabi, c'est l'ibaha. Ça n'est ni la recommandation, ni l'obligation. Ibaha. Comment ensuite comprendre que c'est une recommandation mendoub ou obligation? C'est autre chose qui va nous indiquer que c'est une obligation ou une recommandation. Mais la première chose qui découle du geste prophétique, c'est l'ibaha. C'est autre chose. Exemple d'autre chose, il y a un bonhomme qui rentre à la mosquée. Le prophète Ali sallam était assis avec ses compagnons et il le voit faire la prière et il vient, salam alaikum, wa alaikum salam. Et le prophète lui dit, salli, fa innaka lam tusalli. Refais ta prière parce que tu ne l'as pas faite. Le bonhomme va refaire sa prière exactement comme la première fois et il revient, salam alaikum, refais ta prière parce que tu ne l'as pas faite. À la troisième fois, le bonhomme dit au prophète, wallahi, je ne sais pas faire plus que ça. Et le prophète va lui dire, lorsque tu fais ta prière, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, etc. De là, on a compris que certains éléments de la prière sont obligatoires et que d'autres sont de l'ordre du mendoub. Et que d'autres sont de l'ordre de quoi? Du permis. Le prophète alayhi salatu salam était parti un peu au loin pour régler un conflit entre deux tribus et il arrive à la mosquée. Les compagnons sont en train de faire la prière. C'est Abou Bakr qui dirige la prière et le prophète se faufile jusqu'au premier rang. Les compagnons l'ayant vu, ils vont taper sur leur cuisse pour que Abou Bakr, qui était plongé, pas comme nous, qui était plongé dans sa prière, hein, il n'a rien vu, rien entendu. Voilà. Et Abou Bakr va se retirer. Il va jeter un petit coup d'œil comme ça. Il voit le prophète et il se retire. Le prophète de sa main lui dit, reste, mais Abou Bakr ne peut pas rester. Il a trop de révérence envers le prophète alayhi salam pour qu'il dirige la prière et que Abou Bakr et que le prophète reste derrière lui. Ça, c'est l'amour du prophète alayhi salam. Et donc, le prophète vient ensuite. Ça, c'est de quel ordre ça? Ça, c'est de l'ordre du permis. Ça n'est pas de l'ordre du mendoub. D'accord? Mais
Donc la même chose, regardez. Lorsque le prophète dit khudhu anni sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc de ce hadith là, nous allons tirer globalement les obligations et les recommandations de la prière. Mais même dans ce qu'il a fait dans la prière, il y a aussi des éléments de l'ordre du mubah. Donc, pour distinguer les éléments, il faut beaucoup de science. Il ne faut pas se plonger comme ça, comme dans une piscine, et puis on ne sait pas nager. Il faut beaucoup de science. Regardez un autre hadith. Lors du pèlerinage du prophète, alayhi salatu salam, le prophète dit « Khudhu anni manasikakum ». C'est-à-dire que tous les savants ont compris, avec, en raison de cette parole-là, que ce que va faire le prophète est de l'ordre de l'obligation. Khudhu, l'impératif, fi'l amr. Mais est-ce que tout ce qu'il a fait durant le pèlerinage est de l'ordre de l'obligatoire, ou du recommandable, ou du mendoub? Ça, là est la question. Ça rentre pas. Mais bon, laissons tomber les toilettes. Mais le prophète va rester le dixième jour, donc neuvième jour Arafat, le dixième jour, il va lapider, il va se raser le crâne, il va sacrifier les bêtes, et il va aller à la Mecque faire Tawaf Ifada, et il revient. Et il va rester à Mina trois jours. Il va rester à Mina trois jours, en plus du dixième jour. Le fait que de rester, est-ce que c'est de l'ordre de l'obligation? Ça n'est pas de l'ordre de l'obligation, pourtant c'est ce qu'il a fait. C'est un geste prophétique qui est appuyé par « Khudhu anni manasikakum ». C'est de l'ordre du permis. Les savants n'ont jamais compris qu'il faut rester à Mina, puisque les gens peuvent aller durant ces jours, dans la journée, ils peuvent aller à la Mecque et revenir sans problème, pourvu qu'ils passent la nuit à Mina. Donc vous voyez que le geste prophétique, dans un premier temps, c'est d'abord l'ibaha. Les savants appellent ça l'qarina. Hunaka qara'in ukhra. Il y a d'autres preuves qui font monter, qui vont faire gravir le geste prophétique du licite vers le mendoub ou vers l'obligation. Et ça, il faut faire très attention. Regardez parmi ces éléments de décadence, hein, il n'y a pas que chez, j'allais dire, hein, que chez Daesh, parce qu'il faut parler de... Hein, mais il n'y a pas que chez Daesh, il y a aussi d'autres groupes musulmans qui le disent. Ils disent que la monnaie doit être absolument être une monnaie en or ou en argent. Parce que la monnaie que vous avez là, ça n'est pas valable. Ça ne veut rien dire ça. Hein? Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que le prophète, les compagnons et ceux qui sont venus après, eh bien, leur monnaie était en or et en argent. Donc, les musulmans doivent absolument avoir une monnaie en or et en argent. Le prophète, Khulafa ar-Rashidun, wa ma ba'dahum. Donc vous voyez que la force probante de cette parole, elle est immense. Un, le prophète n'a pas institué la monnaie d'or et d'argent, puisque ce n'est pas lui qui l'a créée. Ça venait de Perse et de Byzance. Qu'il l'ait utilisé, adopté, oui, il l'a adopté, sans problème. Mais ce n'est pas lui. La première monnaie, c'est entre guillemets musulmane, c'est-à-dire frappée par une autorité musulmane, c'est les Omeyyades. Donc ça n'est même pas le Khulafa ar-Rashidun. Et en quoi l'utilisation de l'or et de la monnaie est une obligation? Parce que le prophète l'a fait seulement. Vous voyez comment de tels raisonnements conduisent à des désastres.
Non, ce cadre, le cadre de l'interdiction, c'est de rapporter des choses que n'a pas dites le prophète, c'est ça qui est interdit. D'accord? C'est ça qui est interdit. Maintenant, je vous dis que du temps du prophète, le prophète utilisait dinar ou dirham, dinar en or et dirham en argent, mais le dinar et le dirham n'étaient pas des monnaies qui étaient frappées. On appelle ça frapper, parce qu'auparavant on frappait, parce que l'or il est ductible, donc pour mettre une effigie ou quelque chose, on frappait. Donc le mot est resté, le verbe est resté, on frappe monnaie. Donc la monnaie est frappée, n'a jamais été frappée par le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas lui qui faisait battre la monnaie. Ça n'est pas le Khulafa Rashidun. Donc ça c'est un fait. Si je vous dis que le prophète lui-même a frappé la monnaie, ça c'est haram. Hein? Ça c'est haram parce que j'ai attribué au prophète quelque chose qu'il n'a jamais fait, de manière consciente. Maintenant, même la parole prophétique, a priori la parole prophétique, ben, on la comprend facilement. Ça peut être une interdiction, ou une autorisation, ou une obligation. Mais même la parole prophétique, une partie de la parole prophétique est de l'ordre des faits et gestes et de l'humanité du prophète, alayhi salatu wasalam. La preuve, le prophète Ali, salatu salam, lorsqu'il est arrivé à Médine, parce que globalement les Mécois c'était des commerçants, mais les Médinois c'était des agriculteurs. Il a vu que les Médinois fertilisaient les palmiers pour que ça produise des dattes. Vous savez, il faut fertiliser pour que ça produise des dattes, sinon ça va produire des mini-dattes incomestibles pour nous. C'est bon pour les animaux. Il leur a dit, mais pourquoi vous faites ça? Ça, c'est Dieu qui s'occupe de faire ça. Bon, heureusement, ce n'est pas tous les Médinois qui l'ont entendu. Et donc, certains l'ont entendu, ben, ils n'ont pas fertilisé. Et donc, ils n'ont pas obtenu de date. Ils sont venus à lui se plaindre au prophète, il n'y a pas eu de date. Mais pourquoi? Eh bien, c'est toi qui nous as dit. Mais il leur a dit, entum adra bi shu'uni dunyakum. C'est important de savoir ça. Ça veut dire que même la parole prophétique, mais c'est faiblement, ici c'est vraiment faible, mais même la parole prophétique, il faut la placer dans son contexte pour comprendre jusqu'où cette parole, elle a une relation avec le fiqh, ou c'est une parole ben, qu'il a dite par son humanité tout simplement. Ça, c'est l'un des points sur lesquels beaucoup de gens glissent. Et ça nous amène à la question que l'on s'est posée. Ben, je vais vous laisser peut-être reposer un peu. La question, est-ce que le prophète faisait de l'ijtihad? Globalement, une bonne partie de ce qu'il faisait, il n'agissait pas de son propre chef. On appelle ça en langue arabe l'amru tawqifi. C'est wama yantiqu anil hawa. Ce n'est pas seulement « Amen intiqo anil hawa ». Il peut vouloir quelque chose dans son cœur, mais Dieu veut autre chose. Par exemple, son mariage avec Zaynab bint Jahsh. Lui, il ne voulait pas que blesser les musulmans, il ne voulait pas blesser son cher ex-fils adoptif, hein, Zayd. Oui, ou l'autre, « Lima tuharimu ma ahalallah ». Donc, mais il doit faire, il doit, c'est Dieu qui lui dit, tu fais telle chose. Il y a autre chose sur laquelle il va avoir son propre ijtihad. Alors Dieu soit va le confirmer, soit il va le corriger. Le prophète, alayhi salatu salam, de par rahma qu'il y avait en son cœur, il connaissait les munafiqins, les hypocrites, un à un, il les connaissait. Mais pour lui, il y a toujours la porte de Dieu, elle est toujours ouverte. Et lorsque le chef des munafiqins va mourir, il va diriger la prière funéraire sur lui. Et Omar va s'interposer. Oh prophète, tu sais tout ce qu'il nous a fait, il nous a trahis lors de Uhud. Il a répandu sur toi la diffamation concernant Aïcha, radiallahu anha, il a fait, il lui dit, Omar,
Enlève-toi de mon passage. Enlève-toi de mon passage. Je vais faire la prière pour lui. Parce que si je savais que si je disais plus de 70 fois l'istighfar pour lui et que Dieu répondra pour moi, je le ferai. Eh bien, Dieu va révéler. C'est fini. Toi, pas l'autre. Là aussi, il faut encore comprendre l'ordre de Dieu. Toi, prophète, alayhi salatu salam, tu n'accompliras pas la prière funéraire sur les munafiqin, sur les hypocrites. Voilà. Est-ce que les autres doivent faire la prière sur eux? Mais bien sûr, ils doivent faire la prière sur eux. Là aussi, un autre hadith. Hein? Le prophète, alayhi salatu salam, des compagnons sont venus à lui et lui ont dit au prophète, si tu veux bien faire la prière sur un jeune qui est mort. Et il leur a posé la question, mais comment est-il mort? Ils lui disent, en fait, il était malade, il souffrait beaucoup et il s'est suicidé. Il leur dit quoi? Quant à moi, je ne ferai pas la prière sur lui. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Alors, il y a certains qui ont compris, hein, ici en France notamment, ben, il est interdit de faire la prière sur le suicidé. Non, jamais les compagnons n'ont compris ça. Jamais les grands imams n'ont compris ça. Tous ont dit, si il faut faire, il faut lui faire les quatre rites funéraires. Ghusl, kafan, prière et enterrement. Bon, l'enterrement, on le fait pour tous, même pour les koufars dans les pays musulmans. Mais la prière aussi, tout le monde dit oui, il faut la faire, même pour le suicider. Oui. À titre d'intégrité intellectuelle, Ibn Taymiyyah, il dit non, il ne faut pas faire. Et Omar ibn Abdelaziz, mais c'est les deux seuls. Mais tous les autres disent oui, il faut la faire. Hein? Oui, comme celui qui est mort avec les dettes. Donc vraiment, il ne faut pas s'embarquer dans des choses yani, très, très dangereuses pour les musulmans et pour l'humanité en entier. Je ne veux pas tellement aborder l'actualité de ces derniers jours, peut-être qu'on en parlera, parce que je ne veux pas hurler avec les loups. Hein? Je ne veux pas faire acte d'allégeance avec les loups. Hein? Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se font qui ne doivent pas se faire. Oui? On ne tue pas impunément les gens. Je regrette. On ne tue pas impunément les gens. Je regrette. Allez, on s'arrête un quart d'heure si vous voulez. Et on reprend, Inch'Allah.